Bonjour Pierre-Olivier Marie, merci de nous apporter quelques éclaircissements sur ce salon de l'auto. Vous êtes rédacteur en chef adjoint de Caradisiaque.com, auteur également de ce 1000 anecdotes de l'automobile. C'est paru aux éditions Hugo. Bon, finalement, les voitures électriques françaises et pas chères, ça existe, c'est possible? Ça va exister. En fait, il y a un combat à mener pour une voiture électrique populaire. On en est encore loin, mais le marché aurait plutôt tendance à se démocratiser progressivement, en tout cas. Une voiture électrique, aujourd'hui, ça coûte encore cher. Heureusement, c'est pour le moment, et on ne sait pas encore pour combien de temps, en France, c'est encore soutenu par le bonus écologique, qui va être, hélas, un peu raboté l'an prochain, semble-t-il, même si on n'a pas encore tous les détails. Mais en tout cas, oui, il y a un besoin, une nécessité pour les constructeurs, enfin pour les automobilistes, de pouvoir disposer à terme de voitures électriques pas trop chères, parce que une fois qu'on y a goûté, on n'en revient pas. Hein. L'électrique, c'est extrêmement pratique, c'est facile à vivre, ça ne pollue pas. Et on en a besoin aussi pour la pollution, évidemment. Il y a un besoin, dites-vous. Est-ce qu'il y a une demande? Il y a une demande, malgré tout. Aujourd'hui, c'est, depuis le début de l'année, autour de 20% du marché français, malgré les prix élevés qu'on vient d'évoquer. Donc oui, il y a une demande et qui va de toute façon ne faire que croître, puisque là, on le voit aujourd'hui au Salon de l'Auto, à Paris, qui vient d'ouvrir ses portes. Toutes les nouveautés qui sont présentées aujourd'hui sont électriques. Donc à terme, de toute façon, les constructeurs ne vont quasiment proposer que des voitures électriques. Donc les consommateurs n'auront à terme pas d'autre choix. Le marché va s'électrifier progressivement, peut-être un peu moins vite que ce qu'espèrent les autorités européennes, mais c'est la tendance de fond qui est là, c'est évident. Et oui, puisque l'objectif, c'est d'en terminer avec les ventes de voitures thermiques pour 2035. Est-ce que c'est atteignable pour les constructeurs? Alors là, il ne vous aura pas échappé qu'il y a une certaine cacophonie entre les constructeurs. Vous avez d'un côté Carlos Tavares, le patron de Stellantis, qui dit « Moi, j'ai mis tout mon outil industriel, je l'ai orienté vers ça, je veux y aller, on y va. » Et d'autres qui, au contraire, comme Luca De Meo, le patron de Renault, qui dit « finalement, on va peut-être ralentir un peu. » Donc voilà, même entre eux, ils ne sont pas tous d'accord. Mais malgré tout, même ceux qui ne sont pas trop pour, eux aussi ont investi des milliards pour orienter leur outil industriel. Donc, de toute façon, je pense qu'en Europe, en tout cas, et un peu aux États-Unis, dans une moindre mesure, certes, mais en tout cas, ça va accélérer, c'est évident. En tout cas, c'est la Chine qui est le premier exportateur aujourd'hui mondial de voitures électriques. Les Européens, les Américains tentent de protéger leur marché face à l'afflux de ces voitures made in China. On voit que les droits de douane là, se multiplient entre Washington, Pékin, Bruxelles et Pékin. D'abord, est-ce que la concurrence est loyale? La concurrence, elle est à peu près loyale finalement grâce à ces droits de douane qui vont être un peu augmentés. Mais vous savez, les Chinois, ils proposent effectivement des produits de qualité qui ne sont pas forcément bradés finalement. Ça reste des voitures très au contenu technologique important. Finalement, ce sont souvent des voitures chères. Et après, il y a d'autres marques, comme je vais citer une marque, mais c'est Leapmotor qui, en fait, plutôt, puisqu'ils ne peuvent pas attaquer le marché européen à cause de ces droits de douane, ils s'associent au groupe Stellantis. Et donc Stellantis, en fait, plutôt que de recevoir les coups de boutoir de l'automobile chinoise, tente plutôt de s'associer aux constructeurs chinois, parce que malgré tout, ils sont là, ils ont des produits de qualité à des prix intéressants. Et là, c'est aussi tout l'enjeu pour les constructeurs, les groupes automobiles historiques en Europe, que d'accompagner ce mouvement, parce que sinon, ils savent que les constructeurs chinois, effectivement, risquent de leur faire assez mal à terme. Aujourd'hui, les voitures chinoises, elles ne sont pas beaucoup mieux que les autres. Elles ont surtout l'avantage d'être un peu moins onéreuses, mais pas tant que ça. Mais en tout cas, la tendance de fond est là. Oui, c'est un concurrent à terme qui peut être très dangereux, effectivement. Mais il y a une vraie politique chinoise de soutien à l'industrie pendant ces dernières années à coup de subventions. Ouais. Oui, bien sûr. Il y a eu cette politique, effectivement. L'État a soutenu, ça leur a coûté des milliards. Ils ont soutenu leurs constructeurs. Mais le résultat est là, puisqu'aujourd'hui, les constructeurs chinois qui, il y a 10 ans, n'existaient pas. Il n'y avait rien il y a 10 ans. Donc oui, et grâce aux aides publiques chinoises, publiques ou en tout cas pas forcément officielles, mais officieuses, ils ont réussi à créer une industrie de toutes pièces en très peu d'années. C'est en cela qu'ils sont effectivement assez inquiétants. Mais on s'est fait dépasser. Est-ce que pendant ces 15-20 ans, est-ce que l'Europe finalement aujourd'hui est à la traîne? Alors l'Europe est un peu à la traîne parce que l'Europe, pendant longtemps, elle n'a pas trop cru à l'électrique finalement. Il y a eu aussi l'américain Tesla qui a montré que c'était possible. Les constructeurs, les automobilistes ont répondu présent. Donc les constructeurs européens ont un peu pris ça de haut et en fait ils prennent un peu le train en marche aujourd'hui. Alors ils prennent le train en marche en proposant eux-mêmes des voitures assez chères, génératrices de confortables marges,
Mais le marché n'est pas là. Le marché, c'est dans des voitures accessibles. Et c'est ce qu'on évoquait au début de cet entretien. Il faut maintenant que l'offre devienne de plus en plus accessible. Et c'est là tout le défi pour les mois, les années à venir pour l'automobile européenne qui doit résister effectivement au coup de boutoir de l'automobile chinoise. Carlos Tavares en a parlé ce matin lors d'une interview avec une radio. Il a vraiment parlé d'un combat à mener contre ces produits-là, effectivement. Si l'automobile européenne veut survivre. C'est un peu ça la question. Et c'est tout l'enjeu, ouais, exactement. Merci en tout cas, Pierre-Olivier Marie, de nous avoir donné ces quelques éléments de compréhension alors que s'ouvre donc ce salon de l'automobile.